soyez et bienvenue sur Fitness Fusion. De la Donc aujourd'hui, on vous a préparé un jeu. Donc vous savez, sur Fitness Fusion, on aime bien fusionner avec les jeux qui existent déjà. Et aujourd'hui, on va fusionner avec Question pour un champion. Avant de vous présenter le jeu, on va vous présenter les invités. Et il y a un retour, donc restez bien là. Le premier, on le surnomme la bête ou encore le boomer, Bimoussi. T'as 45 ans, gros, c'est quoi? Qui tu vas affronter? T'as donné un seul indice. Vas-y, dis-moi. Donc le second, vous l'avez compris, c'est son retour aujourd'hui. Il soulève des mers et des montagnes. Bastos! Donc les deux ne sont pas au courant de ce que je leur réserve. Le jeu, il sort de ma tête. Les questions, elles sont folles. Vous pouvez jouer en même temps que nous. N'hésitez pas. Bastos, t'es prêt ou pas? Non. Je connais même pas le champion. Ok, ils sont pas prêts. Je vous lance le générique pour comprendre un peu le jeu. Et c'est parti. Salut les guerriers, je prends le relais pour vous expliquer les règles du jeu. Question pour un guerrier, c'est un jeu de devinettes. Plus la devinette arrivera à son terme, plus facilement vous trouverez la réponse. Alors écoutez bien, et ne soyez pas autant dissipés que nos deux participants. Toutes les réponses aux devinettes sont sur le thème de la musculation. Nous ne sommes pas là pour faire du yoga. Au top départ du présentateur, les deux participants qui s'affrontent se mettent en position de gainage. À partir de là, si le buste ou les genoux touchent le sol, c'est perdu. Les participants sont donc en place. Le présentateur commence à deviner. Pour y répondre, rien de plus simple. Il suffit de claquer des mains et pas des fesses. Mais attention, si vous claquez des mains, le présentateur s'arrête dans sa devinette, même si elle n'est pas finie. Alors ne soyez pas trop précoce. Si la réponse est fausse, le participant devra faire deux pompes avant de pouvoir reclaquer des mains. En attendant, la devinette se poursuit et le deuxième participant peut toujours y répondre. Une bonne réponse fait faire quatre pompes à son adversaire. Au bout du compte, le participant qui aura fait le plus de pompes aura perdu 10 devinettes, du gainage interminable et plus de 40 pompes. Pour être le guerrier, il faudra rester force et fun. Vous avez compris les règles du jeu? Ouais. C'est bon, on est parti? Ouais. Je rappelle que Bastos a perdu le duel de testostérone mais contre frère, c'est des questions pour un donc là, il y a pas de petits bras, longs bras, c'est pareil pour tout le monde, c'est du gainage. Mais il va jusqu'à Paris, jusqu'à Marseille, là, moi. On y va? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Donc je commence. Ça fait 10 ans, frère. Bah ouais, frère, vas-y, j'ai la dalle. Donc en position pompe. J'ai la 3 litres, en position 5. Donc là, on est parti. On est parti pour 10 questions. Le premier qui pose un buste au sol ou un genou au sol a perdu. Si vous voulez être bon, faut m'écouter, faut écouter les questions. Attends, j'attends qu'il commence, ouais. Dès que vous êtes en place tous les deux. Mais on est en place, 3, 2, 1, le micro, il y a Zippy. C'est parti. Alors, première question. Je suis considéré comme le roi en musculation. Tous les lundis, chaque membre du club veulent s'allonger sur moi. Non, c'est moi en premier. Oh là, c'est moi. J'ai entendu. Ouais, mais t'as posé un genou, fais gaffe. Développer couché. Développer couché? Bah, les pecs, quoi. Non, mais... Alors, tous les lundis, chaque membre du club veulent s'allonger sur moi. Je peux être utilisé à la barre ou aux haltères, souvent placé en premier exercice. Couché, ma fonction principale est de développer les pectoraux. Mais Nick, t'arrêtes, donne la réponse! Développer couché, donc bonne réponse. Ok. Attends, je reviens sur ça. Il y a dit gelé, mais il n'y a pas claqué des mains, frère. Si, il y a claqué des mains. Non, je regarderai en vidéo. Tous les lundis, chaque membre du club veulent s'allonger sur moi. Non, c'est moi en premier. Question 2. Je suis plus important pour les crossfitters que pour les go-muscu. Je me contracte constamment, que ce soit en salle ou en... En général, si je suis un bodybuilder, je ne m'attarde pas trop sur mon développement. Je suis pourtant le muscle le plus important du corps humain. Je suis... Le fessier. Non, mauvaise réponse. Deux pompes, parce que ça ne peut pas te parler. Je redis en vitesse. Mon estomac, je peux plus. Je suis... Attention à la défaite de Bastos. Ouais. Je suis plus important pour les crossfitters que pour les go-muscu. Je me contracte constamment, que ce soit en salle ou à la maison. En général, si je suis un bodybuilder, je ne m'attarde pas trop sur mon développement. Je suis pourtant le muscle le plus important du corps humain. Je suis... Ah non, c'est comme ça, le cœur. Le cœur, bonne réponse pour Pius. Vous pouvez vous reposer. Ah, c'est pire dans le triceps, frère. 4 pompes pour Bastos, 4. Attends, you lose. Pour l'instant, Bastos, il y a 4 et Pius 0. Hein. Grand bras. Bastos, tu sens comme quand j'ai reçu le cœur. 3, 2, je suis jeté des trucs. 1, ton micro. En position. Regarde son cul, regarde, il rentre sur un bras, oui. Et alors, voilà, plus tard, on dirait crédulé. Question 3. Je suis le plus attendu chaque semaine. Tous les go-muscu pensent à moi alors que les lambda n'en font pas tout un plat. J'ai genre deux pompes. Une réponse.
Accouche. Les. Enchaîne. Les fessiers. Deux pompes. Il y a un truc avec les fessiers. Enchaîne. J'aimerais être un dopé pour pouvoir en consommer tous les jours. Je suis bon pour le moral, mais très mauvais pour le corps. Le cheat meal. Oui. On utilise en général les week-ends pour récompenser le travail physique de la semaine, mais aussi pour relancer le métabolisme. Vas-y, on peut en faire plus. C'est le cheat meal. Demande à Bastos. 1, 2, ah, il fait le malin, il est en train de perdre. 4, ok. Question suivante. Attends, il connaît. Attends, je suis sa mère. Question 4. Il y en a partout sur les réseaux et beaucoup se sont inscrits en salle pour en voir. Ce ne sont pas des fakes Nachi, mais des fakes tout court. Malheureusement, ce sont leurs positions exagérées qui les rendent musclés. Les vigueurs. Ouais. Le sport est pour ces personnes à moyen de montrer leur boule et c'est par le vêtement le plus aimé des hommes qu'ils le mettent en valeur. T'es mal, c'est malin. Il n'y a que des fois cette réponse qui fait le malin. Ok. Il va se mettre sur ça ce matin. En position. Allez. Cinquième question. Bien de se mettre en position. 3, 2. Attends. Bastos est mort. 3, 2, 1. Question 5. Depuis quelques mois, je fais partie de l'AFF. Chaque partie de mon corps désigne un membre de cette team. Pour ceux qui ne pratiquent pas la musculation. Oui. Deux pompes pour Primus. Pour ceux qui ne. Écoutez, pour ceux qui ne pratiquent pas la musculation, je suis considéré comme produit dopant alors que je suis tout à fait naturel. Hein? On continue. La créatine. On continue. Deux pompes alors que je suis tout à fait naturel. J'ai un rapport qualité-prix excellent et les utilisateurs bénéficient de moins 20% de réduction avec le code Fitness Fusion. BCA. Je suis. Des compléments alimentaires. Deux pompes. BCA. Deux pompes. Je la redis en entière. Depuis quelques mois, je fais partie de l'AFF. Chaque partie de mon corps. Sur les genoux, c'est perdu pour lui, c'est mort. Ses genoux, je l'ai vu, c'est mort. Arrête d'inventer, ouais, c'est à l'arrière. Il a posé. Test caméra. Je la redis en entière. Depuis quelques mois, je fais partie de l'AFF. Chaque partie de mon corps. Sur les genoux, c'est perdu pour lui, c'est mort. Ok, victoire de Primus. Il a posé. T'es fou, je vous la redis lentement. Depuis quelques mois, je fais partie de l'AFF. Chaque partie de mon corps. QNT. Voilà, c'était QNT. Ça, quelle partie du corps, frère. Mais si la marque, elle représente 3 lettres, toi, tu serais plus quelle lettre? T'es pour testostérone, frère. T'es pour testostérone, ah, bon. Moi, je laisse le cul pour Bastos déjà. Ah, ouais, c'est même pas en vrai. Je prends le L. Donc, Bastos, encore 4 là. 4 points. Attends, peut-être. Putain, c'est un 100. Question 6. Vas-y. Écoutez bien. 3. Je ne suis pas. T'es pompe, oui. Je ne suis pas un gérant de salle de musculation, mais en ce temps de crise, je suis une denrée rare et précieuse pour les go muscu. Grâce à moi, mon possesseur s'est fait plein de nouveaux amis pendant le confinement. Salle de sport. De pompe. Je possède le strict nécessaire. Y'a trop ce mec. Je possède la paix. Home gym. C'était ça. Y'a trop ce mec. Je possède le strict nécessaire pour continuer à progresser en musculation. Pas besoin de carte ou d'abonnement. La salle, c'est ma maison. Question 7. Attends, pas de pompe, vas-y. Fais-le, vas-y. Ah ouais, c'est vrai. You lose. Encore 4 questions là. Non, 3. Question. Question 8. En position. La musculation m'a donné du pouvoir. Je ne suis pas un guerrier Saiyan, mais j'en ai la carrure. Cette carrure m'a permis d'incarner une machine de guerre venant du futur. Et si la musculation. Chasse les guerres. Était du foot, je serais le Zidane de ce sport. Une compétition de bodybuilding porte aujourd'hui mon nom, Schwarzenegger. Ah bah attends. Non, c'est pas ça, c'est l'Arnold classique. C'est l'Arnold classique. Le nom de compétition, c'est Arnold classique, c'est pas Schwarzenegger, mec. Vrai ou faux? Non, la musculation m'a donné du pouvoir. Ouais, mais t'as dit nom de compétition. Il est devenu gouverneur. Oui, il a pris le nom d'une compétition. Je ne suis pas un guerrier Saiyan, mais j'en ai la carrure. Arnold Schwarzenegger. Cette carrure m'a permis d'incarner une machine de guerre venant du futur. Terminator, Arnold Schwarzenegger. Je démissionne. Il a même tourné dans un film pour moi. C'est vrai, wesh. Oui. Super Saiyan 5. Vas-y, c'est bon. Ok, c'est question 9. Attends, Bastos. En position. Non, c'est l'émission, je perds plus, wesh. En position. C'est la dernière là. Ouais. Encore 2. Ouais, ça fait une heure et 2, wesh. Allez, fais la top 10, fils de chien. Lui, encore une question. Ah, c'est lui envoyer les réponses, c'est sûr. 2. Question 9. Ma première moitié se porte sur un jean. Mais ma seconde moitié est un muscle. Ma fonction première est de protéger. Mais grâce à moi, les gomuscus ont fière allure et sont tous taillés en V. Pourquoi travailler les abdos si je la boucle, je suis gainé? Les ceintures. Ouais. L'ombre. L'hernie discale est mon pire ennemi, ouais. C'est pourquoi on m'utilise. Ouais. Je suis. 3, 4.
Je suis. Bah, ceinture, il a dit, frère. Non. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Ma première moitié se porte sur un jean. Stop, mais. Mais lombaire. Non, mais ma seconde moitié est un muscle. Ma fonction première est de protéger, mais grâce à moi, les beaux muscles ont fière allure et sont plus. Le grand dorsal. J'ai tapé aussi, j'ai. Les gars, écoutez, remettez-vous en position. Eh, les genoux, fils de bien perdu. Écoutez non, bien. C'est le fils de chien. Ma première moitié, tu as qui pose un genou à perdu. Ma première moitié se porte sur un jean, vous l'avez déjà. Mais ma seconde moitié est un muscle, vous l'avez pas encore. Ma fonction première est de protéger. Le fessier. Mais grâce à moi, les beaux muscles ont fière allure et sont toujours taillés en V. Pourquoi travailler les abdos? Si je la boucle, je suis gainé. L'hernie discale est mon pire ennemi, c'est pourquoi on m'utilise. Ah, la Swiss ball. Allez, vous êtes dit dans tous les deux. Bon, tiens. Basta, c'est quoi, c'est pour me sentir du toucher par frère. Fils de chien, ouais. Voilà, là, il est fatigué, miskin, il fait mal au cœur. Rigole le pépito, on l'a fait mal. Ok, maintenant écoutez bien, ma première moitié. Je dis ça, il y en a qui a pas fait les 500 deep challenge en Italie, à Crétone. Moi, je me suis pas endormi dans le challenge ton. Ma première moitié se porte sur un jean. Une ceinture. Ok. Mais ma seconde moitié est un muscle. T'as rien compris, frère. À lombaire, ceinture à lombaire. Voilà. Vous avez dit ceinture. Ceinture. C'est ceinture lombaire. J'ai dit ceinture lombaire. Non, t'as dit ceinture. Non, ceinture lombaire. Ah, caméra. Vas-y. Pourquoi travailler les abdos si je la boucle, je suis gainé. Les ceintures. Ouais. Lombaire. L'hernie discale. Non, la ceinture lombaire. C'est d'accord. S'il a dit, tu mettras ceinture lombaire. Les ceintures. Ouais. Lombaire. L'hernie discale. Ceinture lombaire. Ceinture et lombaire, on sait pas la mer. Ok, dernière question. Moi non plus. Ah, même moi, frère, j'explique. Pardon. Dernière question. Elle est dure. Arrête, frère. Je vais partir. Il y en a un. Position. Allez, question 10. Position. Attends, j'ai chaud, frère. Oh là. Un. C'est le but. C'est pas même si vous. Deux. Question 10. C'est parti. Je suis. Écoutez bien, les durs. Je suis un exercice synonyme d'un sport qui se pratique sur du parquet. Un autre synonyme peut me porter pour aller dehors. Je peux être le même mot, mais ici j'aurai un sens différent. Si ta femme se met à genoux devant toi, elle m'utilisera. Mais je ne suis pas interdit au moins de 18 ans. De plus, je peux être fait partout car je n'ai pas besoin de matériel dans un mouvement de va-et-vient. Je développe les pectoraux. Je suis. Les pompes, frère. Bien joué. Comment ça fait? C'est du moins 18 et quelques pompes. Oui, c'est du moins 18 et quelques pompes. Tout d'abord, il a gagné 10-0, il s'est dit. Je l'ai violé. Après, c'est pas d'un coup, c'est tu as des testostérone, tu as des. Mais rigolo, wesh. Machallah. Écoutez bien, les durs. Je suis un exercice. Sinon.